Bonjour et bienvenue, c'est Arcadia, on se retrouve aujourd'hui sur Namaste Next pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo sera portée sur les glyphes et les portails. Donc les glyphes, c'est ce que vous allez trouver dans le guide. Hop, si je m'y retrouve ici, voilà, vous allez en bas. Donc vous avez 16 glyphes à trouver, donc vous allez sûrement les retrouver plusieurs fois. Donc ces glyphes vont vous permettre ensuite d'accéder à des portails. Donc on va déjà commencer à faire les glyphes. Donc comment trouver un glyphe? En fait, il faut s'adresser à des voyageurs que vous allez trouver sur les stations spatiales. Donc vous ne les trouverez pas à toutes les stations spatiales. Donc là, on va s'adresser à Arlan le voyageur. Vous voyez, il a un aspect un peu sympa, un peu plus spécial que les autres. Donc ici, vous allez lui demander d'où il venait. Ça va vous coûter 100 nanites. Hop. Voilà. Et là, il va vous donner l'emplacement d'une tombe d'inconnu. Donc on va s'y rendre. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on arrive tranquillement sur la tombe de l'inconnu. Hop, on va tirer sur cette planète. Voilà. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc il suffit tout simplement de le sélectionner. Vous allez avoir un petit speech du personnage qui est décédé. Esther le glyphe. Et voilà, donc il sera dans votre inventaire. Bon bah là, vous allez peut-être pas voir la différence parce que j'en ai pas mal. Donc il faudra, ça sera pas nécessaire de tout débloquer pour accéder au portail. Je vais vous montrer par la suite comment ça se passe. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver sur une autre planète pour que ça soit un peu plus simple, pour vous montrer comment trouver un portail. A tout de suite. Donc on se retrouve sur ma petite planète. Donc j'ai fait une petite base, mais alors vraiment toute petite, c'est pas la base principale, hein. Je suis tombé dessus, bon, j'ai trouvé sympa, donc j'ai fait une petite base à l'intérieur de ce gros rocher, on va dire. Hop, ici. Donc c'est une planète très fleurie, très boisée. En fait, il n'y a pas beaucoup de... Il y a une petite tempête de temps en temps, mais c'est vraiment très léger. Donc si vous voulez venir, ben, on va voir, je vais vous montrer l'adresse en trouvant le portail. Donc pour trouver un portail, vous allez installer votre scanner ici et vous allez saisir des données. Donc il faut une donnée de navigation. Ça, les données de navigation, vous les trouvez sur les stations spatiales, hein, sans aucun problème. Et vous allez scanner des artefacts. Donc les artefacts, moi j'en ai déjà trouvé deux, puisque de toute façon on en trouve trois. Soit vous trouvez des ruines anciennes, soit des plaques anciennes, ou le monolithe. Le monolithe, c'est ce qui nous intéresse. Donc, comme je ne l'ai pas trouvé, je devrais le trouver ici, en scannant. Voilà, il va scanner, et normalement, il va nous trouver le monolithe qui me reste. Voilà, monolithe extraterrestre détecté. Hop. Voilà, donc il est là-bas. Donc, on va s'y rendre. Hop, on va sélectionner avant. On va prendre notre petit vaisseau. Et c'est parti. C'est pas loin en plus, comme souvent. Et voilà. Je ferai après pour les petits trucs de langage. Donc on va l'activer tranquillement. Là il va faire son speech comme d'habitude. Donc là on est sur un système de Jack, je pense que ça dit Jack. Donc on va localiser un portail. Donc il vous faut une relique Jack. Donc je vais vous montrer pour les autres ce qu'il vous faut. Voilà, là il vous a trouvé le portail. Donc on ira tout à l'heure. Donc hop, on va aller, pardon, dans le menu, dans mon sac à dos, hop, voilà. Donc, si on avait été sur un système Viking, on nous aurait demandé une dague. Si on avait été sur un système Corvax, on nous aurait demandé une enveloppe. Donc, pour trouver soit une relique, soit une dague, soit une enveloppe, vous allez sur une plateforme commerciale sur une planète, vous la détectez, vous demandez votre chemin... via les PNJ sur les stations spatiales, ou si vous avez un scanner d'économie sur votre vaisseau, vous scannez, vous en trouverez un. Et là, vous atterrissez et vous allez sur les vaisseaux et vous demandez pour acheter
quelque chose, acheter de la marchandise, et la plupart du temps vous trouverez l'une de ces trois marchandises sans aucun problème. Comme ça vous évite de chercher. D'ailleurs, vous avez une mission d'armement où il faut deux dagues, donc vous faites comme ça, vous allez sur un système viking, vous allez sur une plateforme commerciale sur une planète, hein, j'entends bien sur une planète, parce que sur les stations spatiales, si vous allez vers le vaisseau, il vous donne juste des petites marchandises que vous avez besoin, des petites ressources, vous n'aurez pas ça. Donc faut bien aller sur une plateforme commerciale. Donc là maintenant, on va se rendre sur le portail. A tout de suite. Et nous voilà donc à ce fameux portail. Donc il va falloir déjà l'activer. Donc pour l'activer, donc là on est en version long joue jeu normal. Si vous jouez en version constructive, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, vous n'avez pas besoin de rentrer les ressources, pardon. Donc là il va falloir rentrer des ressources. Donc suivant les ressources, là ça sera du sodium, là ça sera soit du sel, soit du carbone, ça dépend ce que vous avez. Donc il faut bien avoir tout ça avant sur vous quand même, si vous cherchez des portails. Hop, donc on recharge chaque élément. Normalement j'ai largement ce qu'il faut, j'avais prévu, hop, et on fait encore là. J'espère qu'il va pas m'en manquer. Non. Voilà. Et là, hop, il est presque activé. Donc vous avez un petit texte. Hop. Donc là, vous pouvez avoir l'emplacement de cette planète. Donc, hop, je vais le demander. Et là, vous avez les glyphes à rentrer. Si cette planète vous intéresse, vous prenez une capture d'écran, ce que vous voulez, vous notez. Et si vous tombez un jour sur un portail, vous avez ce qu'il faut, vous avez tous les glyphes, vous pouvez rentrer ce code et vous allez tomber sur la planète sur laquelle je suis. Voilà, donc je laisse afficher un petit moment pour que vous puissiez prendre une capture d'écran. Donc là, ça devrait suffire. Voilà, donc on va partir. Hop, on va se retrouver là. On va la réactiver. S'il veut bien. Voilà. Donc à partir de là, si vous avez des adresses, et ben vous pouvez les rentrer. Hop, en activant portail. Donc comme je vous dis, c'est inutile d'avoir tous les glyphes. Si vous voulez rentrer n'importe quoi, vous pouvez rentrer n'importe quoi. Par contre, vous savez pas où vous allez tomber. La plupart du temps, on tombe sur des planètes toxiques, nucléaires, enfin bref, des planètes où on peut pas trop bien vivre dessus. Donc ce qu'on va faire, on va taper un peu n'importe quoi. On peut bien en taper 4. Une fois le même signe, maintenant, hop. Donc là, il vous met un message d'erreur. Mais ça va pas empêcher le portail de vraiment s'activer à 100%. On va se jeter. Donc je vous fais grâce du chargement et on se retrouve juste derrière le portail. Et nous voilà donc l'autre côté du portail en tapant n'importe quoi. Donc je me trouve pour une fois sur une planète glaciaire, on va dire. Je vais voir ce qu'il met. C'est celle-ci. Hop. Climat frais, sentinelle réduite, fort pleine, faune moyenne. Oh, ça peut être sympa comme planète. Donc voilà le principe. Donc c'est vrai que le but c'est d'avoir des adresses de planètes ou par exemple ça peut vous servir. Vous trouvez un portail, tiens je veux retourner sur la planète sur laquelle je suis. Bah, vous pouvez taper son adresse et pour rien. Alors à savoir aussi, je vais quand même vous montrer. Vous pouvez sans problème donc visiter la planète, visiter le système. Hop, on va aller dans l'espace. Hop. Je sais pas s'il y a d'autres planètes. Ouais, il y en a d'autres, hein. Il y a des lunes, des planètes. Par contre, vous ne pouvez pas vous déplacer sur la carte galactique. C'est impossible. Donc vous avez le choix. Soit vous avez une station spatiale pour retourner à votre base, soit vous reprenez le portail à l'envers. Il est indiqué de toute façon. Au pire, s'il est pas, vous avez peur qu'il ne soit pas indiqué, vous mettez une balise. Vous voyez, il est là. Si je peux y retourner sans problème, vous n'êtes pas perdu. Mais au pire, mettez une petite balise, comme ça vous êtes sûr de retrouver le portail. Ou sinon, bah, vous créez une base et vous créez votre petit portail à vous, petit portail personnel que vous pouvez fabriquer avec votre base. Et vous repartez à l'endroit où vous étiez au début. Tout simplement.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Ce que je vais faire, je vais vous faire juste après cette vidéo, je vais vous faire une petite. Je vais vous montrer une autre planète, un autre code d'une petite planète où j'étais aussi, où là il n'y a vraiment pas de tempête, il n'y a rien du tout. C'est hyper calme pour ceux qui veulent débuter sur une quête, faire une petite base là-dessus, ça peut être sympa. Donc je vais retrouver tout ça. Et moi je vous dis à bientôt, bonne journée, bon jeu à tous et à toutes. A bientôt, bye. Alors comme promis, je vais vous donner l'emplacement de cette planète qui est assez sympa. Donc il n'y a aucune tempête, les sentinelles sont pas chiants, il y a quelques animaux, espèces à découvrir. Hop. Et voilà, comme ça vous avez l'emplacement de cette planète si ça vous intéresse. Par contre, j'ai dit une bêtise, lorsque vous passez le portail, le seul moyen de ressortir, de retourner dans un autre système, c'est de passer par le portail. Si vous rejoignez station spatiale, le portail qu'il y a sur la station spatiale ne marche pas. Je viens de faire le test, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, donc le seul moyen c'est de passer par le portail. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien pris la capture d'écran si cette planète vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt. Bye.